Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, de vous accueillir à Un Monde à l'envers. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, vous me connaissez aussi sous le nom ou le pseudonyme de Jean Némar, qui n'existe plus. Parce que c'était un enfoiré, je l'ai viré. Heureux de vous retrouver, 22 avril 2020, 17h42. On va retourner un petit instant dans un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et on parle de l'incendie qui a eu lieu, naturellement, dans le coin de Tchernobyl. J'essaie juste de retrouver le lien que j'avais qui vient de disparaître. Je devrais être capable de retrouver ça. Donnez-moi un petit instant. Et c'est important qu'on retourne là-dedans parce que il y a un nuage selon... Je vais vous attendre une petite seconde. J'essaie de trouver ce lien-là. Nuage assez important qui a survolé l'Europe selon l'agence... du nucléaire. Je ne sais pas où est rendu mon lien. Je devrais l'avoir là. Si vous me laissez un petit instant, je vais le retrouver. Je vous laisse écouter un peu de bonne musique en attendant. Bon. Je vous partage ça à l'instant. Les niveaux de rayonnement montent en flèche pendant les incendies de forêt de l'usine de Tchernobyl. Des feux de forêt qui brûlent dans la zone d'extrusion ont élevé les niveaux de rayonnement de la région, mais les experts disent que le rayonnement ne menace pas les zones peuplées. Vraiment? Les niveaux de rayonnement dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont augmenté de 17 fois par rapport à la lecture de fond normale dimanche, alors que des incendies de forêt se sont abattus sur environ 12 000 dans la zone sinistrée de Tchernobyl. Il y a de mauvaises nouvelles, a écrit le chef de l'inspection écologique, Yegor Firzov, dans un post Facebook de la région fermée de Tchernobyl. Au centre du feu, les niveaux de rayonnement sont élevés. Les lectures sont de 2, 3... lorsque le niveau normal est de 0,14. Selon Firzov, les niveaux ou le saut alarmant de la radioactivité n'a été trouvé qu'au centre du feu. Dans un post ultérieur dimanche, il a écrit que les spécialistes du nucléaire n'avaient enregistré aucune augmentation des niveaux de rayonnement dans la capitale Kiev, à seulement environ 60 km de la zone d'exclusion. Les responsables... Donc, de tels incendies sont plus dangereux autour de Tchernobyl car les arbres et la flore sont toujours irradiés de la catastrophe nucléaire de 1986. Ça nous amène, puis je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description, hein, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, la fameuse IRSN, qui a une belle animation ici, de la modélisation de la dispersion du panache en Europe en date du 17 avril suite aux incendies de Tchernobyl. Je vous laisserai le lien, vous aurez le visionner, cette modélisation de la dispersion. C'est un abonné qui m'a envoyé ça en me disant, vois-tu, c'est quand même assez inquiétant. Ça vient de la fameuse IRSN elle-même. Et ça date, cette modélisation-là, du 6 avril 2020 à 19h. Donc, quand même assez inquiétant. Et peut-on se fier vraiment aux agences gouvernementales qui nous disent qu'on doit absolument rien craindre? Je vous laisse trouver la réponse vous-même, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps. Je vous reviens.